Bonjour et bienvenue dans la cuisine de mon restaurant. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on réalise une escalope de poulet gourmande et super croustillante. Donc, pour la réaliser, c'est très simple. Il va nous falloir de quoi faire une bonne petite chapelure. J'ai de la chapelure de panko comme ça. Là, j'ai fait blanchir des lardons que j'ai achetés, c'est-à-dire blanchir des parts au froid dans une eau pour enlever un peu l'excédent d'impureté et de sel surtout. On va mettre directement dans une petite poêle. On va le faire un petit peu griller, d'accord. Après, un filet de poulet et un œuf pour faire une petite panure à l'anglaise, tranquille. Et un peu de parmesan. Alors, on commence par faire un petit peu griller nos petits lardons, d'accord. On va pouvoir y mettre la chapelure aussi, à colorer un petit peu. Tranquillement à colorer, pendant ce temps-là, on prend un œuf. On le bat un petit peu. Un petit filet de poulet, comme ça. On l'ouvre en deux. On surveille bien notre petite chapelure, d'accord. On va y mettre un petit filet d'huile d'olive. Hop, on assaisonne notre blanc de poulet avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Tac, notre chapelure, vous voyez, un petit peu colorée. Bien, ça c'est gourmand, ça. Rien que ça, déjà, ça donne envie d'y goûter. Bam! On baisse le feu, on va garder notre poêle, d'accord. Là, on va paner notre escalope. On commence par la farine. On tapote bien pour enlever vraiment tout l'excédent de farine, d'accord. Dans l'œuf. Dans notre petite chapelure bien gourmande. On met un beau filet d'huile d'olive. Et on la laisse cuire tranquillement, que notre poulet soit bien moelleux à cœur. Et juste avant de vous donner mon petit secret pour rendre cette escalope super gourmande, si t'es passionné de cuisine, pense à t'abonner, à activer la petite cloche, comme ça tu seras au courant dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Puis, par la même occasion, un petit pouce bleu, ça motive et ça fait vivre la chaîne. Là, on la retourne. Pareil, de l'autre côté. Hop, une fois qu'elle est cuite, on la débarrasse. Avec un petit bout de sopalin, on enlève le surplus de graisse et de chapelure pour pas que ça brûle. Et là, excellent de gourmandise. Là, alors là, on saupoudre le fond de la poêle avec du parmesan râpé. Tout doucement comme ça, à feu doux, on laisse un petit peu colorer, d'accord. Là maintenant, on coupe le feu, ok. On prend notre escalope, on la pose dessus, et là on vient replier. Hop, on prend une assiette, on la retourne, et là on a une escalope croustillante. On prend un petit peu de mâche, un petit tronc, allez, je m'y jette, c'est moi qui goûte. Oh là là là. Et là voilà, j'espère que cette gourmandise t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner en cliquant sur ma petite tête qui est juste là, regarder d'autres vidéos. Moi je te dis à la semaine prochaine et à table, Jésus.